Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons commencer par parler de l'inscription connexion. Donc, nous avons deux boutons en haut ici, Sign Up et Sign In, qui sont censés nous rediriger sur les pages d'inscription et de connexion. Donc, nous allons rapidement créer ces pages-là, puisque jusque-là, si nous regardons bien de plus près, nous avons juste, allez, on a juste la page Home et About. Donc nous pouvons rapidement créer d'autres pages. Donc je vais commencer alors par utiliser la commande de tout à l'heure. Alors maintenant nous allons créer une page avec la commande Mudei Riazzelli. Donc Sign In et puis Sign Hop. Voilà, on lance la création et là on a juste à patienter un tout petit peu. Et là c'est bon, c'est créé au niveau de page ici. Dans page, on a sign in avec son contenu, sign up avec son contenu. Parfait. Donc ce que je peux faire ici, hein, comme tout à l'heure, je vais pour l'instant retirer ça d'abord. Ça également. Et mettre ceci voilà en commentaire. Donc là c'est bon, cela étant je retire ceci et au niveau de l'affichage j'aurai juste component ça. Parfait, je vais faire la même chose ici également. Comme ça je peux retirer et mettre ça en commentaire, ça je peux retirer. Parfait. Cela étant fait, normalement, je peux à présent commencer par indiquer hein, comment et quand on peut les afficher. Donc, on pourra dire ben, lorsqu'on sera sur sign in, qu'on va retourner sign in. Voilà, tout simplement. Et quand on sera sur sign up, on pourra afficher ici sign up. Voilà, tout simplement. Maintenant, au niveau des ressources que je vous ai fournies, je vais vous inviter à prendre le sign in, le contenu hein, de sign in, c'est la position 6. Et puis, vous pouvez le mettre juste à l'intérieur ici. Alors, je vais formater légèrement. Une fois que c'est fait, on ira également au niveau du sign up ici et nous allons prendre les ressources. Une fois que c'est bon, on peut déjà aller voir ici et là, vous voyez que tout s'affiche correctement. Le sign in et puis le sign up. Parfait. L'idée, c'est d'avoir un petit message en haut ici, hein, hein, comme en tête. Donc, nous allons créer rapidement l'en-tête tout de suite. Donc, on va générer un composant. Donc, je mets C et ça va s'appeler top ou plutôt page title ou plutôt page banner. Alors, ça va s'afficher sur la plupart des pages. Hein. Donc, du coup, c'est pourquoi je me pêche banner. Parfait. Maintenant, quand ce sera créé, et c'est bien déjà le cas ici, page banner. Ici, qu'est-ce qu'on va afficher? Alors, si vous regardez dans les ressources, vous avez une ressource de numéro 14, top page. Donc, c'est justement ça qu'on va utiliser. Donc, je vais vous inviter à prendre son contenu. Et nous irons tout de suite là, au niveau de notre page ici, pour l'utiliser. Donc, je peux simplement retirer tout ça et mettre ici mon contenu. Donc, ça, c'est bon. Alors, ces commentaires-là ne sont pas reconnus en JSINS. Donc, je retire ça. Je vais simplement formater maintenant. Ça, c'est bon. Et du coup, ça, je peux commenter et
ceci, je retire d'abord ça aussi, ça aussi. Très bien. Donc cela étant fait, qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? Déjà, je peux commencer par l'utiliser, mais il nous faut le nom de la page qu'on veut afficher, sur la page sur laquelle on veut l'afficher. Et donc, du coup, on pourra alors dire, on attend en paramètre le nom de la page. Donc, je mettrai ici name, qui sera un string. Voilà. Donc, je peux alors extraire les props et récupérer le name qui est contenu dans les props. Parfait. Et ce name-là, je peux tout simplement l'utiliser ici et là. Donc, je le mets tout juste là et c'est bon. Cela étant fait, je pourrais désormais utiliser PageBanner à n'importe quel endroit où je juge cela nécessaire. Donc, ici, au niveau de Sign Up, je vais alors mettre PageBanner. Je vais indiquer bien sûr sans provenance. Alors, excusez-moi. Qu'est-ce que je viens de faire? Voilà. Donc là, c'est bon. On attend ici un name. Donc le name, on mettra tout simplement register. Register. Voilà, tout simplement. Après ça, on aura besoin de ça au niveau de sign-in également. Donc sign-in. Quand je viens en haut ici, voilà, je peux poser ça tout juste ici. Et là, ce sera tout simplement login, login form. Voilà. Donc ça, c'est bon. On indiquera la provenance également du banner. Cela étant fait, normalement, vous voyez que nous avons bien en tête ici. Alors, ce n'est pas logon, mais c'est plutôt login. Login. Parfait. Donc ça va s'actualiser et tout va se passer correctement. Sign up ici. Je vois bien qu'il est écrit register. Parfait. Je vous dis merci et à tout de suite.